Salut tout le monde et bienvenue sur Age of Mythology Retold. Je vous retrouve pour la quatrième mission qui va nous emmener du côté de la Scandinavie, la terre des Norse, qui s'appelle la Tour de Nain. Castor navigue vers le nord avec une armée atlante dans le but de remettre les Nordiques et leurs dieux à leur place. Il va y avoir une question de merveille ici, on dirait. Allez, on va voir ce qui nous attend. Nous avons bien fait de venir ici, chef. Les Scandinaves ne s'attendront pas à être attaqués sur leur sol. C'était le but. Nos éclaireurs n'ont vu que quelques troupes scandinaves dans le coin, mais le terrain est plein de falaises. Ils se cachent peut-être. C'est là qu'ils ont bâti leur temple. Nous devrions y trouver des soldats. Le temple d'Odin est notre cible. Nous allons envoyer un message aux Scandinaves. Ok, on a du destructeur. Bureg, Yoshi, lost. Impossible de descendre de ce plateau. Mais grâce à Chronos, nous pouvons faire passer nos bâtiments au-dessus de tels obstacles. Nous pouvons construire nos bâtiments ici, puis utiliser nos champs de vision pour leur faire passer les falaises. Je vais fortifier mon forum direct parce que ça, je sens la mission compliquée ici. J'ai un souvenir que cette mission elle est compliquée à chaque fois. Voilà. Yuji. On explore un petit peu le coin. Yuji. On a quand même une bonne armée de base ici, c'est bien. Yuji. Oh, des vaches. Yuji. Ok, on va les ramener ici. Yuji. Yuji. Osto. J'en ai des troupes et on peut pas aller à l'âge mythique encore. Oh, ok. C'est comme si la tour était protégée par cet orage. C'est le cas. Cela est dû au temple Vérodin qui l'entoure. En remplaçant ces temples par les nôtres, l'orage devrait s'apaiser. On va regarder par là. Mark. De toute façon, il nous faudra du destructeur, je pense, ça c'est sûr, avec le nombre de bâtiments. Le contingent de fanatiques là, on va essayer de le conserver. Yuji. Eshlost. Osto. Yuji. Eshlost. Yuji. Mark. Eshlost. Yuji. Mark. Il y a quelque chose là, non ? Eshlost. Yuji. Tu mets pas un chemin comme ça. Osto. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Oh, les améliorations de temple coûtent moins cher, ça. Je prends tous les jours. Osto. Herjo. Yuji. Vayen. Alors. Mak. Diat. Skopos. Eshlmos. Déjà, notre forme fortifiée, elle tiendra mieux. Eshlosto. Yuji. Osto. Yuji. Yuji. Et là, dès qu'on peut, on rajoutera deux navires de pêche supplémentaires. Enfin, une petite base éco arrière là. Bure, Yushi. Skopos. Eshlost. Herja. Yuji. Certains me diront, est-ce que c'était nécessaire de faire ce port? En vrai, sur le long terme, avoir deux navires de pêche là, ça va être pas mal. Hein. Skopos. Une guilde d'écho à faire aussi. Eked. Vayen. On va faire un autre, deux autres citoyens. Il nous faut plus de bois là de toute façon. On va surveiller un petit peu. Eshlost. Comme ça, là, ça, nos ressources vont monter en puissance, là. Il y aura nos deux navires de pêche. Sur le long terme, on sera gagnant.
Un feu de forêt. Attention, les Scandinaves attaquent. Il y a quelque chose derrière. Ok. Ça semble trop simple. D'accord, c'est Je vais faire une petite armurerie. Oh, tu vas me faire une forteresse à un moment. Là, le plan, ça va être de doubler la. Faire une armurerie. Il faut leur faire une forteresse aussi. Et se foutre. Et un de mes temples. Et un temple aussi. Je vais avancer avec mon contingent là, on verra ce qu'ils peuvent faire. C'est vrai que c'est tellement fort le pouvoir de Cronus de déplacer ses bâtiments. Là on a réussi à faire une petite percée un peu intéressante. Oh là, il y a du monde là, d'accord, on va reculer. Mais là, on a détruit l'un de leurs leur bastions, là, ça va être bien. Il y en a deux qui font rien. Okay. On va se faire une forteresse là pour protéger les assauts. Et un temple aussi, ça sera bien. De toute façon, il faudra qu'on fasse plusieurs temples pour les transporter à la place des autres. Donc, on va commencer par là. De points de vie pour nos villageois, plus d'or aussi. Ah, les Eneria là, c'est une salope, ça c'est puissant. Yushi. Burek. Ah, on a le renouveau héroïque. Bon. Ah ouais, on a Hyperion, j'avais complètement oublié. Moi j'ai rien dit en fait. Alors, si je fais ça là, 3 fois 8, 24. Borek. Yuji, Borek. Voilà. Yuji, Eshlo, Yuji. Borek. Les héros là ils vont pouvoir se régénérer un peu alors. Dans la logique des choses. Herjos. Vayen. Regardez là, le taux de régène, il commence à être intéressant là. Burek. Shkopos, Yuji. Burek. Yuji, Yuji. Burek, Eshlos. Il va nous falloir plus d'or là, ça c'est sûr. Un petit marché, moi je dirais pas non. Allez, un quatrième destructeur là, ça serait parfait.
toute façon, à part les rouges qui peuvent nous atteindre, les autres ils peuvent rien faire pour l'instant. Ouais. Peut-être qu'on va faire aussi d'autres manoirs, ça sera pas de refus. Yoji. Oh là, ils sont découpés les cons. Yoji. Burek. Burek. Yoji. Alors ça coûterait combien en or? 55 de bouffe, on les a larges. Yoji. Vayen. Skopos, es lost. Skopos, Yoji, es lost. Mak. Yush, es lost. Et avec ce Yoji, là, je pense qu'il y a un moyen de faire quelque chose. On a pas besoin en trop déjà. On va faire des améliorations offensives de nos armes. Bore, es lost. Yoji. Yoji. Posto. Yoji, es lost. Je pense qu'avec le contingent qu'on a, on peut faire des petits trucs. Hein. Mac. Vu qu'on peut se régénérer, je pense qu'il y a une carte à jouer. Yoji Mac, es lost. Bure, Mac, es lost. Il est smoké. On s'est là. Et poro crack. Bure, volley art. Stopos. Là, comme ça on sera tranquille ici. Et on pourra se faire une deuxième base là, on a une colonie abandonnée. Bure, Yoji, Chilus Moke, Yoji. Skopos, tell us Maki. Yoji, et Polo Fras. Skopos, Chilus Moke, Yoji, Yoji, Chilus Moke. Il faut qu'on s'étende vite dans le secteur là en vrai. Là on va raser tout ce qu'on peut. Et justement je pourrais faire un marché là pour cette colonie là-bas. Et une relique là c'est quoi? Oh l'anneau du Nibelung là tous les jours. Hein. Burek, Skopos et Porofras. Burek, Skopos, Hilus Moke. Et encore j'ai plus que 4 destructeurs si j'en avais plus. Burek. Yushi. Yushi. Osto. Yuji. On va sécuriser une position là. Yuji. Ah, on a perdu un fanatique là. Burek. Yushi. Osto. Burek. Yuji. Tilus Moke. Eporofras. Mak. Topos. On va rajouter 4 destructeurs en renfort, on va doubler notre potentiel destruction là. On va améliorer notre coupe du bois là. Skopo, Yoji. Burek, Mak, Yoji, Mak. Skopos, Yoji. On a trop de bois là. Donc là on a plus de... On va aller chercher la mine là. Skopos. Reculer sagement avec une troupe. Et Porofras. J'ai ramené ses renforts là-bas. Donc là on va voir toutes les améliorations. Burek. Burek. Et Porofras. Yuji. Yuji. C'est fortifié comme affaire ici. Hein. Burek. Opos. Et Porofras. Reculer sagement. On n'est pas encore assez puissant là-dessus. Burek.
Scopo, you mark. Yuji, Herjos, Eschlos. Voilà, c'est pas mal du tout. On va se soigner un petit peu. Scopos, Yuji. Oh, il y a des choses qui se préparent là. Des Valkyries. Bon, si vous pouvez me la battre, ça serait bien. Excellent. Ils veulent embêter le monde, bah on va y aller. Hein. Et sur le fofo là. On va faire beaucoup de tours, là on s'assure comme ça. C'est le forum là. Bon, on a battu les gardiens, le forum des gardiens de l'Est ici, c'est très bien. On va taper là. Les fanatiques, vous allez taper ici plutôt. Encore une relique, c'est quoi? Au moment d'attaque, vous dites d'infanterie efficace contre la cavalerie. Voilà, excellent travail, on va juste taper le temple là et on sera bon. Ok, il nous reste encore deux villageois qui font plus rien, il n'y a plus de nourriture ici. Ok, Yuji. Voilà. Non, mais vraiment, ils sont chiants. Hein. Yuji. Et Poro Flash. Raser tout ça, là, on est sûr. C'est sûr qu'il va falloir du renfort de trucs, là. Je propose. Ok, il y a un col qui est défendu là, d'accord, très bien. Non, c'est juste envoyé. Pensez à déconstruire sur ce premier temple. Vous deux, vous allez me faire un temple là. Nous avons détruit l'un des temples d'Odin. Transportez dans le temps l'un des nôtres à sa place. Le catapulte lourd, on s'en sert pas trop, j'avoue, mais on va prendre. Là, on n'a plus d'or non plus, mais on a encore de la bouffe. Des vaches. Ce temple-là, on s'en fiche, toi. On va te déplacer là. Le premier temple ici, c'est fait, très bien. Par contre, il va nous falloir de... On a un deuxième temple en réserve, là. On va essayer de renforcer une autre puissance de feu. Oh, des chirobalistes. On va tester ça, là. Protégez la tour à tout prix. Mac. Coucou. Yuji. Excellent travail. Yuji. Eschlost. Burek. Yuji. Burek. Skopos. Yuji. Burek. Eschlost.
Shkopos. Ma. Donc on a déjà eu la première tour ici, enfin le premier temple. Yuji. Et là j'ai une idée. On va partir sur de la chirobaliste. Okay. On a vu que c'est anti-infanterie ça, la chirobaliste dans mes souvenirs. Donc on va jouer là-dessus je pense. Bore. Ma Yuji. Shkop ma Yuji. Ma esh lost. Ma. Donc avant de faire quoi que ce soit, on va se regrouper. Yuji esh lost. Ma. Yuji esh lost. Yuji. Oh là là, vous êtes pas un peu dispersés, vous les gars. Ils vont s'entretuer, ça sera bien. Là, ils vont se décimer entre eux, c'est bien. Ah, c'est bon, on est en train de tous les déboîter là. Commence à taper là. Kopos, Burek, ma. Yuji. Kopos, Eshlos, Yuji, Yuji. Ma, ma, Yuji, ma, Yuji. Tilus Moke. Ma, Yuji. Excellent travail. On va ramener tout ça là en renfort. Eshlos, Burek, Yuji. Si ça regarde le live, merci les gars. Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Eshlos. Donc là le but, on va couper notre force là avec les chirobalistes et le destructeur là, et je crois qu'on va faire bobo. Là j'ai déjà préparé le second temple. Allez go. Rasez-moi tout ça là, s'il vous plaît. Yuji. Bure. Oula, tapez-moi tout ce que vous pouvez ici. Yuji. Et pour au flas. Et là justement, on pourra peut-être déconstruire le second temple ici. On est à la porte. Exactement, on est à la portée sur celui-là. Oui, attention, ici. Un autre temple a été détruit. Ma. Eptilus Moke. Ouf. Eshlos. Yuji. Burek. Eporofras. Ça tabasse bien. Ma. Eptilus Moke. Burek. Yuji. Eporofras. Et comme ça, ce deuxième temple, on le téléporte. Merde. C'était pas ce que je voulais faire, mais l'idée était là. On le téléporte ici. Yuji. Yuji. Eptilus Moke. Bourek, Yuji. Shlos. Yuji. Bourek. Deuxième vague. Ma. Yuji. Shlos. Attends, j'ai encore un oracle ou pas? Oui. Bourek. Shlos. En vrai, je vais tenter un move. Bourek. Shlos. Osto. Mmh.
Je vais tenter d'ajouter 4 destructeurs en renfort. J'ai encore 2 qui auront balistes là. Je vais remonter tout de suite mon dernier tank. Je crois qu'il y a... Oh, il y a du monde là d'un coup, d'accord. Ok, ok, très bien. Est-ce que ce tank il va être terminé là? Pas encore. A kid. Je vais chercher une déconstruction directe. Je vais enchaîner. Comme ça, j'enchaîne là. Le dernier temple a été détruit. On va vite reculer. On va se rapprocher du temple là-bas. Oh, il y a du peuple là. Ok. Bon, ils vont se croiser, mais c'est pas grave, on s'en fout. Excellent travail ici. Nous n'arrivons pas à endommager la tour avec nos armes. Seul le pouvoir de Chronos peut l'endommager. Il nous a donné un pouvoir de déconstruction assez fort, même pour la tour d'Odin. Ouais, alors... Ça dégage. C'est une victoire. On a réussi à faire cette mission moins de 30 minutes. Elle est longue en général, celle-là, par expérience. Mais je suis plutôt satisfait. Donc voilà, j'espère que cette mission 4 vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.